qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie? Qui fait de la magie? Magie, magie, magie. Secret de Sabrina. Magie, magie, magie. Tu y crois, Maritza? Ça va être la fête du lycée et on y sera comme des grandes. La vie a vraiment un sens maintenant. Ouais, je suis sûre que tu vas t'éclater. Je vais m'éclater. T'as pas envie d'y aller? Personne ne m'a invitée. Et comme il faut être accompagnée, j'ai des doutes d'ici à demain. Faut vraiment être accompagnée? Hé, hey, tu bouches le passage. Oh, ah. Excuse-moi. Regarde devant toi. Qu'est-ce qui te tracasse? Oh, Harvey ne t'a pas encore invité. Tu veux que je lui parle pour toi? Non, 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 il attend le dernier moment, mais il va se décider. Je vais te dire, les garçons sont tous des nuls. N'exagère pas, il y en a des biens quand même. Hé, hey, à mon tour, couvre-toi, il y a de l'humidité dans l'air. Un coup de canon à eau, l'arme absolue. Salut les filles. Petit garnement. Madame Mokolos, excusez-moi, je... Oh. Tous à l'abri. Je maintiens ce que j'ai dit. Pour Harvey, sûr qu'il va me téléphoner ce soir. J'espère. Hé, hey, je peux te passer ma nouvelle robe longue si tu veux. Elle est trop fabuleuse. Rose avec des fines bretelles. Tu aurais l'air d'une reine avec. T'es pas sérieuse? T'as assez confiance pour me prêter une robe neuve? Bien sûr que j'ai confiance en toi. C'est pour ça qu'on est amis. Merci, j'irai faire le tour des boutiques ce soir. Mais si je ne trouve rien, je te prendrai peut-être au mot. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Tu es sélectionné pour quel défilé? Celui de la haute couture pour la prochaine saison ou quoi? C'est trop, hein? Non, pas si tu dois être présenté à la reine Elisabeth. Attends. Et ton cheval, on va le laisser entrer? Piquante comme les abeilles. J'aimerais que tu prennes ça un peu plus au sérieux. C'est ma première fête de lycéenne. Je veux juste être la plus belle. Ah, on devient blasé quand on est plusieurs fois centenaire. Vous avez choisi un thème pour votre petite soirée? Ah oui, c'est la nuit magique. Ah, quel programme! Je me souviens de mon premier bal au lycée, on avait appelé ça... les druides en folie. Et qui va t'accompagner? C'est évident, Harvey. Mais il ne t'a pas encore invité. Pas de souci, il va m'appeler. Mais comment t'as deviné? Ah, crois-moi, les gars, je les connais. J'en ai été un moi-même. Je pourrais tant être déjà à demain soir. Je suis à vos genoux. Un vrai prince charmant. Parce que tu appelles ça une fête au lycée. Mais où sont les garçons discutant football dans un coin pendant que les filles dansent entre elles? Où sont les verres de citronnade tiède? L'éternel surveillant qui trompe l'ennui en se gavant de chips. Ne te mêle pas de mes rêves. Ah, tu t'y connais pour gâcher les désirs des filles. Peut-être, mais si Harvey ne se dépêche pas de t'appeler, ça ne va pas être une partie de plaisir. Oh! Allô? Allô, Sabrina? Oh, Harvey, quelle surprise! C'est moi, Harvey! Oui, Harvey, je t'ai reconnu! Ouais, enfin voilà, j'ai décidé de téléphoner! Oui, pour te demander si tu voulais... Oh, excuse-moi, reste en ligne, Harvey, j'ai un autre appel! Allô? Alors, il t'a invité? Non, mais il fait tout ce qu'il peut! Je te mets en attente! Harvey, tu disais? Oui, je voulais savoir
Est-ce que tu serais d'accord pour... Attends une seconde. Dis, tu m'as raccroché au nez. Excuse-moi. Alors, il te l'a demandé? Non, quitte pas. Harvey? Sabrina, tu veux venir à la fête avec moi? Non, écoute Harvey. C'est encore moi. Tu devrais apprendre à maîtriser les doubles appels. Il t'a demandé? Non, quitte pas. Écoute, Harvey. Harvey? Allô? C'est toujours moi. Oh, il a dû raccrocher. C'est un garçon tellement émotif. Hey, pourquoi toi, tu ne lui demanderais pas? Bonne idée, je vais l'inviter. J'aurais pu y penser avant, demain matin, dès que je le vois. Moi, j'irai avec Richard Seban. Mais il joue de la guitare comme un fou. Et bonjour la transpiration. 100% vrai. Seulement, ses parents vont nous faire conduire par leur chauffeur. Si j'arrive, genre, à lui piquer ses lunettes en arrivant, je pourrais, genre, l'éviter toute la soirée jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer. Cool! Moi, je serai avec Marc Allaire. Il est trop, ce mec. Même s'il a récolté un bras et une jambe dans le plâtre en roulant sur un escalator à l'envers avec son skateboard. De toute façon, il dansait déjà comme une momie. C'est Cassandra. On arrive! Alors, où est Harvey? Là, sur l'estrade. Il branche la sono pour les discours. Et il n'a pas de partenaire pour ce soir. On s'est renseigné. Oh non! Venez les filles, on va s'occuper de lui. Que fait Sabrina? Je ne peux pas laisser Cassandra lui shipper Harvey. Qu'y a-t-il de plus savoureux que de piquer le petit copain d'une fille, surtout à l'occasion du plus grand événement scolaire de l'année? La claque pour cette pauvre petite Sabrina. Oh, elle n'osera plus se montrer pendant des semaines. Où est Sabrina? Elle avait dit qu'elle serait là de bonne heure. Je me demande ce qui serait le plus craquant, l'amener à me supplier d'y aller avec lui ou lui dire c'est comme ça et pas autrement. Ou il y a la solution de le laisser mijoter jusqu'à ce qu'il craque. Il y a le risque qu'il ne se décide jamais à t'inviter. Le but du jeu, c'est de lui faire dire oui. Et pourquoi? On va en faire voir à Sabrina. Oh, je n'ai même plus le temps de la prévenir. Maritza, tu ne peux pas laisser Cassandra s'en tirer comme ça. Hey, tu pourrais t'excuser. Ben... D'accord. Oh, ça alors? Non! Ne t'inquiète pas, Sabrina. Le gardien va nettoyer le bureau de l'infirmière. Il n'y en a pas pour très longtemps. Je sais, Madame Mokolos. Mais j'ai appelé mes tantes tout à l'heure. Je préfère rentrer me reposer à la maison. Permission de sortie accordée. Allez, va! Je regrette que tu aies entendu tout ça, Sabrina. Tu regrettes? Pas tant que moi. Attends au moins que je t'explique comment c'est arrivé. Je ne veux pas t'entendre chercher des excuses. Moi qui te prenais pour ma meilleure amie. Pendant qu'on y est, tu peux te la garder, ta robe rose. Oh. Dis-moi, ce n'est pas ton amie Maritza sur le banc, l'air désespéré? Des amis comme ça? Sabrina, chérie, j'espère que vous ne vous êtes pas disputée. Pourquoi on se disputerait? Elle m'a juste piqué mon copain pour l'accompagner à la méga fête de l'année. À part ça, je ne lui en veux pas. Les hommes, ils se disent toujours à notre disposition, mais on les attend des siècles. Et où sont-ils? Oh, tu ne vas pas remettre sur le tapis l'histoire du comte belge? Il devait nous emmener au bal de la cour. C'est à moi qu'il l'avait proposé. Ah, il faisait des promesses à longueur de journée, mais de là à s'imaginer qu'il les tiendrait. Oh, tu ne m'as jamais dit qu'il t'avait promis de t'emmener? Mais enfin, Zelda, bien sûr que non, je savais que ça te ferait de la peine. Il disait que je dansais comme une libellule. Oh, est-ce que je peux être naïve? Oh, les histoires de famille. Je ne peux même pas être la plus malheureuse sur Terre quand j'en ai envie. Franchement,
Je n'ai jamais vu de sorcière en vouloir autant à un simple mortel depuis... Depuis ta mère qui piquait des colères monstres contre ton père sans aller toutefois jusqu'à s'en rendre malade. Ce n'est pas Harvey seulement. C'est Maritza. Elle m'a poignardée dans le dos. Tu ignores ses motivations parce que tu as refusé de la laisser s'expliquer. Je ne vois pas pourquoi je l'aurais écoutée. C'est très simple, parce qu'elle est ton amie. Tu dois avoir confiance en elle, pas la traiter comme la dernière des traîtresses. Une revenante, une apparition comme dans un rêve. Tu t'adresses à moi, chat miteux. Ah non, dans ton cas, j'aurais plutôt parlé de cauchemar. Pas mal ta chambre, pour ceux qui aiment. Tout ce que tu entasses là, dis-moi Sabrina, c'est pour un vide-grenier? Qu'est-ce que tu veux, Cassandra? Monsieur Zombe dit qu'aucun élève ne doit rater son cours à cause d'un simple mortel. Même craquant comme Harvey, tu conclus? Oh, ok, je te retrouve là-bas. Mais je ne peux pas me téléporter. Je ne suis qu'à moitié sorcière, n'oublie pas. Oh, je ne pense qu'à ça chaque fois que je te vois. De toute façon, je parle pour rien. Zombe m'a donné un passe-passe. Bon, on y va. Yeah! J'ai horreur de l'odeur du soufre au petit matin. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Toi aussi tu aimes bien Harvey. Et Maritza te l'a bien piqué tout autant qu'à moi. Tu devrais être folle de rage. Y'a que les losers qui tapent des petits points. Moi, je me venge. Pas tout compris. Je t'explique. Le filtre magique que je prépare n'est pas un simple exercice. C'est pour Maritza. Elle n'oubliera jamais cette soirée. Elle s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours, c'est sûr. Tu participes? Je ne sais pas si ce serait aussi génial que ça. C'est vrai, quoi. Maritza est tout de même une bonne copine. Une bonne copine? Hey oh! T'as déjà vu une copine soulever un gars et une fille pour sa première grande soirée, toi? Oh, ça me gênerait pas du tout. Je vais te dire, t'as raison. Elle l'a cherché, eh bien elle l'aura. Là, tu parles comme une sorcière. Ce qui m'épate, c'est que tu fasses appel à moi subitement. C'est vrai, on n'est pas vraiment amis. Non, je l'avoue. Mais ça m'agacerait qu'un mortel fasse passer une sorcière pour une idiote. Même que la moitié d'une. Puis je n'ai plus de colle chic et de verre de gris. Tu peux m'en passer? Madame est servie. Et olé! Oh, enchantera! Puis-je me permettre de vous demander ce que vous faites là? Comment dire? C'est que, voyez-vous, nous faisons... un filtre magique pour gâcher la soirée d'une peste qui nous a pris notre copain. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on ne vous enseigne pas l'art de la magie pour régler des comptes avec vos camarades de classe. Oui, madame. Oui, madame. Malgré cela, donner une leçon à un simple mortel, c'est une très heureuse initiative. Vous avez ma bénédiction. Je vous confie... un objet qui pourrait se révéler utile. Il vous suffit de dire l'inscription gravée à la base de cette figurine, puis vous l'ouvrez et vous la dirigez vers l'objet de votre sortilège. Ce sera la cerise sur votre gâteau aux amandes amères. Merci, enchantée. De rien. Amusez-vous. Ouah, je ne sais pas si on osera aller jusqu'au bout. On ne peut plus reculer. Il faut mettre le turbo. La fête va commencer dans quelques heures. Je ne sais même pas ce que je vais me mettre. Rentre chez toi et fais ce qu'il faut. Je me charge d'amener tout le bazar. T'es sûre? Pas de problème. Ma robe est déjà étalée sur mon lit. Bon, alors, merci. Attends, j'amènerai le gris-gris d'Enchantra par la même occasion. Comme tu veux. J'aimerais déjà y être. Moi aussi. Pas pour les autres, mais pour voir finalement ce que sera ton sort. Non. Ça tient en un seul mot. Jamais. S'il te plaît, Salem, je dois être accompagnée. C'est un projet totalement répréhensible et tu n'as pas le droit de faire ça à Maritza. C'est ton amie et je refuse d'être complice de son humiliation. Tu peux faire ce que tu veux, je resterai intraitable. Oh, le beau jeune homme. Bon, allez, c'est d'accord. Uniquement parce que je ne veux priver personne de ma présence. En plus de leur offrir le plaisir de m'admirer, j'arriverai peut-être à te convaincre d'oublier cette odieuse machination. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas cracher des poils par terre. Je serai, mais je promets rien.
Maritza ne sont pas encore là? Oh, oh, regarde les dents de ce gars-là, ça vaut le coup. Tu as tout ce qu'il faut? Tout comme prévu. On ne se connaît pas, je suis... Ne te fatigue pas, je flaire pour ma laine de phoque à 150 mètres. Hé, hey, Mephista! Oh, maintenant je comprends la taille des dents. Tu as amené ton lapin domestique? Tu as amené ton chat domestique? On n'est pas vos domestiques. Oui, si on veut. Ils viennent d'arriver. Oh, c'est vrai qu'elle est belle dans sa robe rose. Plus pour longtemps. Allez, viens. On va faire voir à Harvey ce qu'il a raté. Je sais pas danser. Même pas le carottenroll? Salut, Sabrina. Ah, quand t'as quelqu'un dans le nez, toi... Et toi, fiche-moi la paix. Olé! Hé, hey, c'est pas parce que je t'ai accompagné que je n'ai pas le droit de draguer. Graisse d'anguille et cornes de caribou, que ce filtre lui rende les cheveux fous. Oh, la honte! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Sabrina! Truffe en chocolat, robe couleur parme, que cet ensemble ait beaucoup moins de charme. Non, pas sa robe toute neuve. Elle a peut-être besoin d'aide. Quelle idée de se mettre la tête sous un sèche-main en court-circuit. En plus, oh, ça empeste. Oh là là, Maritza est totalement désespérée. Non, tu crois? Maritza, attends! Oh, cette soirée est un véritable désastre. Tout ça à cause d'une erreur de ma part. Je n'aurais jamais dû te proposer de venir avec moi. J'ai fait ça uniquement parce que Cassandra allait t'inviter. J'avais prévu de dire à Sabrina qu'elle me remplace au dernier moment, mais elle était tellement furieuse qu'elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai tout fichu par terre. J'ai cru que Sabrina ne voulait pas de moi. Elle a dit non et elle a raccroché alors que je voulais l'inviter. Elle a dû se mélanger en traitant un double appel. Ça lui arrive tout le temps. J'ai le regret de te dire que je t'avais prévenu. Toi, tais-toi. Trop, c'est trop. Tu veux retourner danser? Mais je suis en luck. Non, tu es comme tu es, c'est tout. Allez, viens. Quoi? Pas de vue de Coran? Ça suffit comme ça, ok? On a joué, mais le match est fini. Attends, tu veux rire? Je m'amuse comme une folle. Oh, elle en redemande. Poudre d'arête et d'écailles de tortue. Quand on sent la fatigue, ça redonne du jus. Attention! C'est pour moi. J'aime le jus de raisin. Ne me refais pas ce coup-là. Ou je te jure, tu vas le regretter. Mon seul regret, c'est de t'avoir écouté. C'est bizarre quand même. Comme si elle avait su que ça allait arriver. Oh, penses-tu, ce n'est qu'un accident? Et moi, je sens qu'il va y en avoir un autre. Excusez-moi, je m'invite. Et la touche finale pour bluffer la foule, que sur mon ennemi s'écrase la boule. Non. Quelque chose me dit que j'ai l'air d'une décoration de Noël extra large. Bon, ça suffit. Tu commences à être lourde. Je gardais ça pour plus tard. Mais tant qu'à faire... Cassandra, ne pousse pas trop loin. Fasse que par ce sort, je vous le demande. La petite arrête de se prendre pour une grande. Tiens. Voilà, l'éternel arroseur arrosé. J'espère que ça t'aura appris à faire confiance aux amis. Oui, madame, j'ai eu tort. Tu lui as donné d'excellents conseils. En plus, tu sais que tu es beau gosse. Oui, je l'ai toujours su.
Je suppose que tu serais heureuse si je te redonnais plus fière allure. Très heureuse. Maritza aussi, si ça ne vous ennuie pas. Ne crains rien, je ne les ai figés que temporairement. Et les mortels ne se souviendront plus de rien. Au revoir, Sabrina. Salut, Harvey. Salut, Maritza. Oh, salut, Sabrina. Tu n'es plus fâchée contre moi? Bien sûr que non. Tu peux prendre Harvey comme partenaire. Mais tu ne l'auras plus? J'en trouverai un autre, comme ce garçon hyper craquant, par exemple. Enfin, une jeune fille qui sait m'apprécier, c'est pas comme... certaines.